Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du plaisir avec le Grulhonnête. Le Grulhonnête comme tu l'as dénommé. Il est très très honnête. Très honnête. Beaucoup plus que Temur qui se cachait un peu. Voilà, alors vous allez découvrir des synergies qu'on n'a jamais présentées en vidéo, aucune de ces cartes, sauf une grande majorité. Vous allez voir après de quoi on parle. Ah, on l'a présenté mais c'est un nouveau deck. C'est un nouveau deck, c'est encore dans l'actualité. C'est vrai, il y a un petit plot twist. Avant de commencer la vidéo, on met le pouce bleu en anticipation de confiance, c'est gratuit, ça fait plaisir. On met le petit commentaire aussi, ça régale. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo. Ou dites-nous ce que vous allez en penser, encore mieux. Genre, dites-nous l'avis que vous aurez à la fin de cette vidéo, mais dites-le-nous voilà, au début. Exactement. Est-ce que vous allez prendre du plaisir à regarder la vidéo? Est-ce que le deck va vous intéresser? Est-ce que vous pouvez ne pas aimer le deck, mais aimer la vidéo? Ou inversement, détester la vidéo, mais vous adorez le deck? Quand bien même, du coup, on en aurait très mal parlé. Anticipez votre plaisir. Anticipez le plaisir. Et après, vous pouvez modifier votre commentaire sur YouTube et ne changez pas votre avis, mais ajoutez votre vrai avis. Genre l'avis futur, l'avis présent, vous voyez. Genre avis d'avant, très bonne vidéo, mauvais deck. Avis d'après, vidéo vraiment nul à chier. Par mais contre, très bon deck. Le deck. Mais très très bon ça deck. Ça serait exceptionnel. Merci au sponsor Playing by Magic Bazaar, code valide PL 2024 sur leur boutique. 50% de points de fidélité quand vous utilisez ce code et ça nous soutient. Merci à tous. Merci beaucoup. Et merci Ultimate Guard, lien d'affilié dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur leur site. Vous mettez en français s'il ne l'est pas. Vous faites vos achats. Vous mettez dans le panier, vous payez. Panier, vous recevez chez vous. Et ça nous a soutenus tout le long. Tout le long, ça nous a soutenus à chaque clic. Donc, ça fait plaisir. Merci beaucoup. On a aussi le partenariat Vogt qui nous soutient beaucoup sur la belle carte. Et si jamais vous voulez vous aussi passer sur Vogt, que ce soit pour acheter des cartes à l'unité, on a reçu des cartes à l'unité de Zinzin qu'on va proposer en live le 3 avril à partir de 18h. Ça sera un show pour les Golden Days. Il y aura 25 euros à giveaway. Il y aura 25 euros de giveaway à gagner directement sur le chat sans forcément obligation d'achat. Juste passer un moment en live avec nous sur Vogt. Deux magnifiques cartes à l'unité. Et en plus, si vous créez l'application pour ce show-là, eh bien, vous rentrez le code parrainage la belle carte en majuscule et ça vous donne 10 euros offerts sur votre premier achat sur Vogt. Quel régal. Quelle grâce. Franchement, avoir une belle carte 10 euros moins cher, vous soutenez les créateurs de contenu que vous kiffez. En plus, vous assistez à une animation en live sympathique, vous êtes sur le chat et vous pouvez gagner 25 euros. Moi, je trouve ça exceptionnel. C'est grâce à Vogt et à la belle carte. C'est fou. Passons sur ce Grulhonnête. Bam! Alors, ce Grulhonnête, en ce moment, on a le méta qui est pas mal chamboulé par Temur Control qu'on vous a déjà présenté sur la chaîne. C'est en train de gagner énormément de place, de parts de méta. Il y a beaucoup de gens qui se qualifient au RC avec le deck. Je vois beaucoup de tweets, notamment de gens qui jouent le deck en format papier parce que c'est un deck qui est pas cher et qui est extrêmement fort. Et il y a des versions qui sont un petit peu adaptées, qui ont repris cette base. La vraie synergie, c'est Analyste en répercussion avec les Landes qui se sacrifient et Nissa Animiste résurgente. La partie Temur joue du bleu, notamment pour de la draw. Mais en fait, il y a des gens qui se sont dit « Ok, on va reprendre vraiment ce qui était fort dans le deck. Quelle est la base du deck? Qu'est-ce qui fait que le deck fonctionne vraiment de manière très pure? C'est Analyste, Nissa et les Landes. Pourquoi est-ce qu'on se ferait chier à aller jouer tricolore, d'aller jouer des draw effects avec des doubles bleus dans un deck qui joue que des basiques, alors qu'on peut tout simplement juste essayer de recentrer tout ça, cette puissance très très grasse dans juste la bicolorité grulle. Et je trouve qu'il est du coup un peu plus élégant ce deck-là, un peu plus honnête, il triche un peu moins. Il est honnête. Et j'aime beaucoup. Au niveau des ajouts, on a évidemment à l'assaut de la tige de haricot qui marche très très bien avec tous les spells à X et qui va très très bien marcher aussi avec notre late game. Quasi tout le deck. Hein. Avec tout le deck, on a de mal en pis. Personne ne sait que cette carte existe et pourtant elle est très puissante. Mmh. Ça met deux au bord adverse ou à ses planeswalkers et ça vous permet de remélanger des cartes que vous ne voulez pas dans votre main. Mais ça joue surtout l'éveil des bois qui est capable de générer énormément de terrain, mais aussi des créatures pour attaquer. Mais le fait de générer plein de terrain, bah, ça fonctionne effectivement avec la rage selon l'âme monde. Donc c'est un deck qui s'en mêle moins les pinceaux dans une tricolorité, a moins de cartes entre guillemets un peu mortes, moins de draw effect aussi, mais par contre, tu as plus de payoff, donc tu fais de manière très régulière tout le temps la même chose. Et c'est un deck qui est relativement très budget, quoi. Oui. Et tu as un petit angle un peu midrange grindy, gestion de ce que fait ton oppo avec Nissa. J'adore ce deck. Je trouve qu'il est. Moi, j'aime bien parce qu'il y a Nissa. Je le trouve vachement bien pensé. Je trouve qu'on a vraiment recentré l'idée de Temur dans un petit jus d'élixir, quoi. Tu trouves pas qu'il manque la Nissa de War of the Spark? Elle fait quoi déjà, Anissa Doros? Elle double toutes tes forêts, elle fait des 3-3 ah oui, ah oui. Ah oui, oui. Effectivement, ouais. Tu m'as demandé ce qu'elle faisait, Anissa, quoi. Mais toi qui l'as joué chaque jour de ta vie pendant un an. Il fallait que tu me dises, vous shake the world. Nissa, vous shake the world. Et là, j'aurais su, effectivement. J'avais complètement oublié qu'elle était dans War of the Spark. Mais oui, j'adore cette Nissa, elle est trop puissante. Et elle aurait été bien, en fait, pas que dans ce deck. Hein. Je crois qu'on l'aurait joué dans Golgari Midrange. On l'aurait joué, si elle était légale en standard tout le temps. Elle serait tout le temps jouée. On l'aurait joué dans Golgari Midrange, là, actuellement, quand bien même on s'en fout de décupler la mana.
On est parti. Alors, pour le side, Fissuration, pour l'anti-artefact et de la gestion ciblée, Shigeki pour le grind, Kretechin parce que c'est fort, Titania, et non pas Tatiana, parce que ça fonctionne bien aussi avec les Landes. Elle est cachée ici. Vengeance des vampires pour aller se coupler avec Malampi contre Boros Convoque. Corbière illicite parce qu'il y a des méchants qui essayent de réanimer Atraxa. Et ça, c'est pour notre ami Raffine. Chanson de Totentaz, je commande pas. Mais je pense que c'est contre les gens qui jouent ça votre pierre, chanson. Ouais, pour avoir parce que du coup, ils te font rage. Et toi, t'es encore Totentaz pour faire pouf. Ouais, mais t'as déjà éveil du sous-bois. Donc en vrai. Mais ceux qui font cerveau de pierre, ils te brassent. Alors que avec les rats, là. Les rats! Ouais, c'est vrai que tu attaques pour l'étal. Non, mais pourquoi pas. Mais en même temps, jouez pas cerveau de pierre. C'est pas... Ah, et chanson de toute intense pour un rouge, tu donnes la haste à toutes tes forêts. Ouais. C'est bien aussi. Toutes tes forêts dryades. Pourquoi pas. Et on va affronter Dayuni 88. Et tu vois, autant tes murs, je trouvais ça un peu complexe à jouer, avec un decision making qui demande un peu plus de skill. Autant je trouve que ça doit être un peu plus simple à piloter. Je pense qu'on va garder cette main. Oui, oui. Je pense que tu gardes toutes tes mains de toute façon dans ce deck-là. Ah, elles vont pas toutes chercher forêt et marée. Forêt, montagne, pardon. Non. Chercher une petite montagne. C'est délicieux. Ça va chercher quoi, ça? Que forêt? Ouais, plutôt montagne, là. Je sais pas si je fais analyse tour 1. Le tour 2, pardon. Si tu peux faire tour 1, fais-le. Si je pouvais, je le ferais. Ouais. Avec l'en tape, en plus. Je crois que, ouais, j'ai des bloqueurs pour ça. Pour ça. Ouais, ok. Du fait que tu affrontes Monored, effectivement. Sinon, je pense qu'on aurait fait tige. Comment on offre un toka Kazan ? En deux points, pas de land ? Mais tu vois, typiquement, contre Monored, vaut mieux être Grul que tes murs. Assez largement. Bon, j'en ai deux, donc j'en profite, j'en ai deux. Deux petits lands. Mais quel délice ! Ouais, c'est pas mal du tout. Alors attention, tu vas quand même te faire bourrer. Hein. Tu vas te faire ratatiner la rondelle, comme on dit. Pauvre rondelle, toute ratatinée. Spell, pas grave. Ouais, tu vas dire spell, il n'y a aucun problème. Spell donc. Comment tu les spells? Comment je les spell? Alors, A-N-A-L-Y-S-T-E. Je peux continuer très longtemps. Oh, il ne s'est rien passé. T'as bloqué, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Ben moi, je continue. Analyste, ouais. On va juste piocher un petit land à un moment donné. Ok. Zou. Passe à 16. Ça joue 29 landes quand même, donc c'est assez facile de trouver un land. Normalement. Ça devrait aller, quoi. Oh, j'y mettrais presque un point, tu vois. Gourmand non. Que je suis. Ouais, mais c'est trop gourmand. Non, mais presque. C'est vraiment genre, si t'as pas eu de dessert à midi, peut-être tu mets un point. Kokantaken que si je suis. Mais si t'as bien mangé, ça va. Oh, il a trouvé son land. Putain, dommage. Comment je vais double bloquer son bordel, là? Il va pas attaquer, du coup. Oh, il en a rien à foutre, c'est incroyable. Je double bloque. Ça me régale qu'il s'en foute complètement de ce que tu fais. Double bloque. Mais en fait, il se dit, faut bourrer. Ouais, ouais. Bah, il est pas loin de la vérité. Hein. De toute façon. En vrai, s'il attaque pas, il fait quoi? Il attaque pas. Bah, il attaque juste avec Vive Lance et Boussin, quoi. Oh, le Boussin. Le Boussin Billou. Non, je crois qu'il doit pas attaquer avec Graveur de Kubano. C'est trop gratuit comme bloc. Ouais, on s'en fout. Pompompon. Ah. On a pas bien réparti les dégâts, je crois. Je comprenais pas là ce qui venait de se passer. Ouais, sacrifie moins Bousin là et échec et mat. Hein. Tu vas gagner. The Bousinos. Il fait maintenant. Fais voir combien t'as au cimetière. Pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu gagnes 4 PF, t'es à 15. Oui. Non, je le garde en bloc et je sacrifie, c'est mieux. Oui, oui. C'est pas rituel, ouais. Parce que ça fait non. 15 vidéos qu'on la joue, mais. Ah non, c'est une vraie bonne carte. Ouais, ouais. C'est ça la puissance de la carte. Quoi. Mais ils ont arrêté un peu de faire des trucs en rituel, des fois ils disent, oh, c'est chiant. Ouais. En même temps, si tu sacrifies en rituel, on la joue quand même, mais ça rend le deck plus rigide, c'est un peu moins funky. S'amuse moins, quoi. Mais enfin, on peut quand même pas le faire en éphémère. On va bloquer la 3-4 et la 2-2. Hein. On va sacrifier, du coup. Il voulait pas attendre les blocs, le coquelicot? Il coquelicot. Ah, c'est le moment où Monored, il fait « Ah, d'accord, ah, au revoir !» Une forêt. Prends une petite montagne quand t'as la possibilité, quand même. Oui. Genre là, je peux. Maintenant. Cabaretti. Histoire de goûter, pour voir un peu. Une montagne. Là, je lui mets 20 déjà, je crois. Tu lui mets pas 20. Et une montagne. Hop là, jump. Zou. Bon. Et non, tu lui mets pas 20, mais... Deuxième poteau, pas 20.
Deuxième poteau, pas 20. Non, je peux faire ni ça et ça. Non, je crois que tu fais rage là pour rejouer tous tes. Tu rages ça 2-3, tu regagnes tous tes PV. Ah ouais, c'est mieux. Ah, c'est bien. Hein. Je peux faire aussi plein de bêtes. Hein. Et il fait rien lui. Hein. Je sais pas, moi, plein de bêtes, il met 2 en fly. Moi, je préfère tuer ça 2-3, développer analyste ou tige de haricot. Si je fais ça, attends, je gagne 7 mana. Mais gros, tu fais rage, tu regagnes tes PV, tu fais assaut et analyste et t'es setup pour le tour d'après. Je mets que 3 du coup. Ouais, tu mets que 3. Ouais. Et en même temps, il n'y a pas besoin de plus. Ah bah attends. Quoi ? Si je vais faire assaut, je fais avant. Ah oui, tu fais avant, bien sûr. On gagnera une petite carte. Parfait. Moi, j'aime bien. Alors, à moins qu'il ait un spell à 0, il peut pas te battre. Ah, il manque un mana dans mon équation ? Ah non, non, c'est bon. Ah oui, non, il y a un mana de trop. Ah, mais du coup, on aurait pu gagner un PV de plus, alors. J'ai pas compté le mana en plus qu'on piochait. Dommage. Oh, ça change pas grand-chose. Tu te serais pas senti mieux à 14 ? Franchement, pas de ouf. Pas plus. Pas plus, hein. Pas tant. D'accord, ok. Bah, je me demande s'il fallait pas faire 2 bêtes, là, en fait. Tout que ça. 2 bêtes ? Pour faire quoi, 2 bêtes ? Pour faire plus de mana au tour d'après. Ciao. Ouais, ça va quand même bien se passer, cette histoire, je crois. J'ai 9. J'ai posé mon clown, j'ai là. J'ai posé mon clown. Je fais ça, comme ça, il y a 10, il y a 14. Parce que allez. Je fais 10, 1, 1. Allez, amuse-toi. J'y vais. Ah ouais, je crois. Mais non, 12, 1, 1. Ça te régale pas que ce soit jouable, ça ? Si, je suis content. J'en avais ouvert plein à l'époque. Mais grâce au Kangar Multi, ça valait cher. Ah, bon, ça va, alors. Là, j'en ai du mana. Là. Ah, là, t'as... Là, j'en ai plein du mana. T'as 2-3 mana, hein. Et tu vois, une petite totem tense, là. Après, au poussin Piou, il va peut-être au bout, là. Hein. Faire attention, quand même. Ça n'a pas la portée, les trucs de Nissa, à un moment ? Mais non. Putain, qui m'a arrêté de m'appeler ? Arrêtez de le spam. Bordel. Ah, mais je sais qui c'est. Suite de la vidéo d'avant. Suite de la vidéo, mais oui. Pour nous, c'est de suite après. Oui, allô ? Alors, planque des courtiers, on regagne un PEV. 10, 11, 12, 13, 14, j'ai 26 mana. Est-ce que 26 mana, ça fait des trucs ? Alors oui, ça fait beaucoup de bêtes. Il faut pas qu'il nous tue comme ça. Je crois que je vais piocher avec Nissa déjà. On va payer avec plein de mana vert. Draw. Ok. On peut redraw avec Tige d'haricot. On peut gagner des points de vie. Je vais pas aller chercher une forêt. Ah mais je suis con, mais je peux faire moins 7 et j'ai gagné. Des fois on s'emmerde. Alors que la solution est toute trouvée. Ça dans les commentaires, je sais que vous étiez en train déjà d'écrire « Waouh mon Dieu, mais vous avez pas vu que vous pouvez !» Et ensuite vous avez vu ça, vous avez dit « Ah c'est bon. C'est bon, il a vu. » En même temps là, je passe de duo à solo sur la chaîne, je m'empare de vous en fait. Vous êtes captifs. Vous n'êtes que en 1v1 maintenant. On n'est plus une deuxième personne. Donc forcément, là, je fais n'importe quoi. Contre Molo Raid. Bref, on veut ça. 2 dégâts à tout, c'est pas mal, non ? Il n'y a pas trop de vampires, lui. Ça tue bien, c'est bête. Titania, on aime bien. Ça, on aime bien aussi, peut-être. Ouais, je crois qu'on aime bien aussi. Ah, bah, il est là. Bon, tu l'as bourré, de toute façon. Tu sais comment j'ai tué ? En attaquant. Avec quoi ? Nissa ulti. Ah ouais, putain, mais il est trop bien ce deck. Je faisais piocher, et d'un coup, je me suis rappelé que Nissa faisait un ulti. Mais il est trop bien ce deck. Donc c'est bon. Il est incroyable. T'as entré quoi contre lui ? Tout ce qui fait gagner des peuves et qui tue des bêtes. Ah ouais, c'est un bon plan, ouais. Tu penses ? Ça, je pense, c'est nul par contre. C'est trop cher. Ah, c'est too much, ouais. Zou. Même c'est too much, genre on n'a pas besoin. Ça, j'en cut un peu, mais il faut tuer quand même. Ouais. Donc j'en cut 2. T'as enlevé une vertu, je pense. Vertu. Ouais, oh, mais t'as des crétéchines, des vengeances et ouais. Tout. Oh, il va passer tellement un sale quart d'heure. Tu peux enlever des tiges, hein, c'est pas très bien. Tu peux enlever 2 tiges au moins. Ouais, 2 tiges et. Et ça, peut-être. Hein. Ou, non, ça bloque, c'est mieux. Ah, tout est bien, là, je pense. Ça tue, ça rampe. Ça... Ah, mais dans la curve, c'est nul, ça sert à rien. Ouais, ok. Je pense que je peux encore. Oui, tu peux pas la jouer au tour 3, ok. Ah, voilà. Ah, je peux, je tue un poussin, mais. Ta Kodak, désolé, les obligations de la belle carte prennent parfois le pas, on évitera que ça arrive trop souvent. Mais là, c'était le mercredi de tous les... mais c'est le début de semaine. De tous les instants, quoi. De tous les instants. C'est une folie. Hein. Oh, je keep. Oui, parce que tu pioches avec ton assaut et on a 29 landes, donc ça va. Ça devrait aller. Ça va trouver montagne.
Délice. Toujours la petite Kumano Tura. T'en affrontes, t'as des Monorettes qui font pas Kumano Tura? Non. Moi non plus. Moi, ils jouent pas Monorettes, quoi. Ils la concèdent généralement. Ils font Mulligan. Merde! Ah, il est où là, quoi. Kumano? Ça a bugué. Je relance. Tu sais, ils déco du soft, ils relancent ce soft, et là, ils l'ont, ils font « Ah, c'est bon ». Ça reset, c'est comme quand tu vas perdre ton combat Pokémon. T'éteins juste avant, et ça te remet au début du combat. Exactement, t'as pas sauvegardé. Ah oui, belle. Ah ben, ça, c'est moins bien, du coup, maintenant. Il a un plan, moi, j'aime bien. Franchement, je respecte les gens qui ont un plan. Est-ce que je tente animiste tour 3, Nissa Oui, je pense. Franchement, à l'assaut, ça fait rien. Ok. Bah, maintenant qu'on a pris 10 000, ouais. J'adore les gens qui ont des plans comme ça. Franchement, je respecte. S'il nous bat comme ça, GG. Ah, ben là, je te dis qu'on va passer à la 3. Il était préparé, quoi. C'est bien. Il fait bets, mais non, même pas. On a 10, tour 2. On n'a rien fait. Moi, j'aurais joué Squee à sa place. Oula, attends, il fait quoi? Quoi? 3. Je sais même pas ce que ça a fait. Ah, ça empêche de gagner des points de vie. D'accord, ok. Non, mais je te dis, un gars qui est préparé, c'est je mets du respect sur lui, quoi. Moi, ouais, bien joué. Je mets Nissa, il la tue, on meurt. Mmh. Tranquille. Mais franchement, à la fin de la game, je l'applaudis. Moi, ouais. Je suis en table, en papier avec lui, je fais... Et je le regarde dans les yeux fixement. Ouais, il faut que je tue ça dans tous les cas. Oui. Peut-être qu'il a pas de spell. Peut-être. Je déteste quand je peux pas concéder. Quand le jeu me dit non, regarde, on va faire toutes les actions et après t'es mort. Bah, il laisse les gens s'amuser, il a raison. Il est sympa le jeu. Et bon, juste. Je demande pas plus. Hein. On a un milliard de trucs contre lui, mais c'est vrai que si on est mort tour 2, faut les trouver. Non, mais il faut les trouver. Mort tour 2 quand même. Tu les as pas eu, quoi. Techniquement. Tour 2, t'as plus, quand même. On a joué une carte. Oui, mais on est mort tour 3, pardon. Oui. Enfin, lui, il nous a tué sur son tour 4. Donc ça va. Et en vrai, on allait passer tour 5. Donc on peut dire que c'est un peu tour 6. Donc en fait, on a joué une game normale. Mais non, il nous a tué à son tour 4, pas à son tour 2. Mais c'est vrai que tour 2, on savait qu'on n'était plus là. Oui. C'est quand on est à 15 tour 2, en ayant gagné un point de vie. Non, c'est surtout qu'il est à 4 de défense, la vraie problématique. Parce que tu pouvais encore piocher Fissuration. Ah. C'est super main, ça. Non. Ça, par contre, c'est une main. Qui est complexe. Ah, ça va pas chercher de rouge. Ah, c'est pourri. Pas chercher de rouge. Ah, c'est pourri, alors. T'es en part à 5 là? Ah bon, part à 5, ouais. Et là, par contre, t'inquiète pas, quoi. Eh ouais. Hein. J'enlève deux landes? Non. J'enlève une analyste. Ouais, t'enlèves une analyste, ouais. On peut pas partir au Yémen, de toute façon. Ouais. Ça cherche que du vert, je crois. Montagne. Ouais, les deux vont chercher. Les deux vont chercher ce qu'il faut. Ok. Écoute, tu commences avec analyste, c'est que ça va plutôt bien. Ça va rapide. On le rappelle, hein, c'est du luxe. Hein. Tour 2, 1-3. Mono. Évidemment. Triple Kumano. Tour 1. La classique. En même temps, il va mulligan dedans d'habitude, donc. Pas si choquant. Land. Oh, un seul. Pas bon, ça. T'auras le temps. Pas bon caca. T'en as deux autres, de toute façon. Il faudrait que je trouve un d'étape pour le faire tour 4. Mais là. Ok. Trouve une 3-3. C'est bien voué. C'est bien voué. Voilà. C'est bien vu et c'est bien joué. C'est pas très dur dans son deck de trouver ça, malheureusement. Hmm. Ben ouais, vas-y. Hein. Moulsins, hein. Ouais, Moulsins. Quand le jeu te veut du mal. Et je pense juste que le match-up est complexe. Tu trouves pas Krétéchine et compagnie. Hein. Bah, c'est vrai qu'on a rentré quand même 8 cartes de side, je crois. Donc si on trouve 0 carte de side... Ouais, mais elles sont pas toutes parfaites. Tu vois, typiquement, t'as rentré les anti-bêtes, là, non-vampires. En vrai, contre Monorette, c'est pas ouf, tu vois. Non. C'est une carte contre Boros Convoque, surtout. Bah, en vrai, bah là, il a une 3-3, mais normalement, tout son board prend. Hein. Les Poussins Piou, les 1-2, les 2-2. Ouais, il y a plein de trucs qui prend la brasse. Hein. Bien sûr, mais ça tue pas les cartes clés comme... comment il s'appelle, là, le roi dans de la fête. Dans tous les cas, là. On les a rentrés, on les pioche pas. Ouais, je sais pas comment il s'appelle, le roi de la fête, là. Celui qui trigger... Celui qui trigger. Bah, celui qui trigger quand t'as un nouveau permanent qui arrive en jeu... C'est un 3-3, c'est l'hérité. Godric. Voilà, ouais. Exactement. Et il trigger quoi? C'est quoi son effet? Il nous l'a pas montré. Célébration. Ah bah voilà, donc le roi de la fête. C'est vrai. C'est ça. Bien. Tu peux pas. Tu peux. Bah du coup, c'est le roi de la fête. Je suis pas si loin. Hein. Oui. Non, mais c'est juste que j'avais pas le. Je voyais pas qui c'était. Hein, pas le... J'ai pas dit c'est pas le roi de la fête. Ok. Maintenant que tu sais que c'est lui, tu dis ah oui, en fait c'était Pixel comme. Fait Tarak à blanc, genre il s'appelle un truc comme ça. Eh oui. Je mens.
Enfin, je ne fais pas exprès de mentir. Mais... Il est fêtard accablé même. Fêtard accablé. C'est le fêtard qui est rentré trop tard à la maison. T'étais où ? Si je top deck Nissa, je suis bien. Je suis trop frais. Top deck Nissa. Tu vois, ouais. Ça tue même son land. C'est un éphémère le bordel ? Ah non. Je suis pas son... Non, mais les trucs des vampires, c'est éphémère. Ça, tu l'as pas rentré, ça. C'était dans ton deck main deck, donc ça va. Ouais. Malampi, ça peut te permettre de piocher d'autres cartes, là. Ouais. Si on admet que 2 dégâts, ça fait rien. Après, 2 dégâts, ça va tuer son board, quand même. Tu reprends que 4. En rituel. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. Effectivement, c'est la brasse vampire. Tu peux trouver Crétéchine. J'enlève les deux, hein. Bah oui. Bah, on va les mettre en dessous. Ah oui, c'est en dessous. J'ai cru que c'était trigger et que elle se sacrifiait pour faire piocher une carte. Tu peux mettre 2 bloqueurs. Je crois que 2 bloqueurs, c'est pas mal. Hein. Si tu feras pas mieux, quoi. Et je bloque pas, comme ça j'ai du mana pour le tour d'après. Pourquoi ils design pas une boule de feu qui la boule met X et tu gagnes X? Ils pourraient. Bah franchement, ils ont mis une boule de feu, c'est... Gros, la boule de feu qu'on met là, c'est genre je t'inflige X et je mets X terrain. Mmh. C'est même pas plus fort que gagner X. Non, c'est vrai. Ah, c'est trample. Merde. Bon bah... Bah ouais. Hein. Rip. Hein. Le petit spell qui va bien. Le petit spell qui va bien. Non, mais j'accepte de mourir contre lui. Ça me paraît tout à fait légitime. On avait tellement de cartes de side. Franchement, elles auraient pas tout aidé. Après, moule 5 dans 0. Elles auraient pas tout aidé. Vu sa sortie, là. Sa sortie, sa préparation. Mais il a fait que des trucs. Il y avait 2 points de vie à la une. Et puis, il a arrêté de faire ça. T'as vu ? Bah, il sait. Hein. Il est bon. Hein. Il connaît le deck, de toute façon. Gros, s'il joue le spell qui donne plus 2, plus 0 avec une aura malédiction, là, c'est qu'il sait très bien que le format, il est plus noir ouais. Interactif. Il est... Il faut bourrer. Il est Temur Ramp. Il combouille Ramp. Voilà. Donc, ouais. un mec qui est prêt, qui nous attrape comme ça, je te dis bien joué. Bien joué, ouais. Tu dis, ah ouais, bah t'étais prêt, toi. Hein. Qu'est-ce que c'est fort, cette carte, n'empêche. Toi, tu t'es entraîné, toi. Je le regarde bien comme ça. J'ai dit, dans ouais, les yeux. Toi, t'as préparé. Toi, là. Attends. Mmh. Toi, t'es là pour regarde gagner. Regarde-moi, quand je te parle. Mmh. Dégoûte, ça, moi, les gens qui sont là pour gagner, comme ça, qui se préparent. Ouais, t'as fait du team play, tu t'es entraîné avec des potes, c'est ça? Tu veux que gagner, toi, de toute façon. Que tu veux gagner. Putain. Alors que moi, je joue au jeu pour les cartes, pour le plaisir, le bon moment passé. Le plaisir. Quoi. Moi, je découvre mon deck toi, en tournoi. Que la gagne, quoi. Que la victoire. T'as fait quoi, 10h, 15h d'entraînement avant pour ce tournoi? Et je parie que tu gagnes que au point de vie à chaque fois. Jamais de condition de victoire alternative. Aucun plaisir. Je vois au premier. Délicieux. Excellent. Trop bien. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. J'adore. Ça donne des mains qui sont ou très laides ou très belles. Ouais. Il n'y a pas d'entre-deux. Le problème, c'est 29 landes. N'empêche, t'as vu la main? On avait 29 landes et on n'avait aucune source de vert. Ouais, c'était dur. De rouge, pardon. Il y a 17 sources de rouge en plus, donc c'est dur de pas en avoir. Ouais, ouais. Non, mais c'était de la merde. Là, je te dis, je pense que notre deck, il va pas mono-red, franchement. Vraiment, faut la sortie, quoi. Moi, je pense qu'il peut, mais il faut croire en lui. Et on n'a pas cru. Ouais, c'est vrai que j'ai pas cru en lui. Après, l'âme 2 nous a pas donné envie de croire. Je crois toujours pas, hein, franchement. On va coliter ou pas? Coliter, il y a rentabilise anti-bête. Coliter, c'est quoi? Pas coliter. Putain, c'est pas un acolyte, c'est un analyste. Ah. Je sais pas s'il faut jouer analyste, là, il va le tuer juste. Tu veux jouer le tour d'après? Ouais, je pense. Ok, on assaut. Histoire qu'il ait moins de temps sur le terrain à tenir. Ouais, c'est vrai. Mais il faut que tu tiennes juste un tour. Juste un tour, poulet, bah juste ouais. Un tour. Non, mais je pense que c'est mieux parce qu'il a très envie Gallium. De développer un truc au tour 3, alors qu'au tour 2, il a juste envie de faire anti-bet. Ouais. Je pense que c'est mieux comme ça. Non, c'est bon spot. Maintenant. Ouais, maintenant bon. C'est maintenant. Parce que je pouvais aussi buter Sirène pour pas qu'il croupe peut-être. T'arrives des fois à meuler plus de 1 land. C'est non, j'en chie. Vraiment trop demandé, hein, c'est fou. Salut, c'est Jean. C'est Jean chie. Ouais. Je regarde même plus ce que ça va chercher, juste le joue et je regarde ce que ça me propose. Et tu vois, ouais. Bon, bah, si tu passes le tour, tu auras le grand mérite et le plaisir de jouer combien 2 ou 3 landes? Non, non! On s'en fout. Ouais. Vraiment rien à 3 landes, du 3 coup. 3 landes, c'est ça? Oups là, ça va. Ouais. On a vu que Elliot était en game. Ça tryhard. En game? Ah non, bah, en ligne. Pardon. Moi en ligne. Bah du coup, en ligne. Ah, j'envoie un message. Je dis, comment ça tu joues là? Tu tryhard là? Tu dis, alors tu t'entraînes pour gagner des tournois? Pour gagner tes tournois là?
avec tes cartes. Putain, toujours dans le tryhard, celui-là, sans déconner, quoi. Non, non. Merde. C'est mon rôle de et composition. Je prends ta carte de ta main, et je tue ta bête, et je t'attaque, et bibou. Pardon. Je suis peut-être un peu hors de contrôle. Je crois que Kokemen aussi, il est dans la catégorie des tryharders, ceux qui s'amusent de cette manière-là. Je crois que les gens vont nous prendre premier degré si on continue. First Dugs. Ah, je peux reprendre une bête aussi. Reprends une Nissa ou un analyste? Non, un analyste, ça fait trop. Analyste, c'est bien, non? Je crois, ouais. Ouais, puis en plus, tu le rejoues, là. Et il aura encore un anti-bête de tryharder. Comme ça que je les appelle. Je vois très bien. Mais je suis à 18, mon gars. Tu crois que tu vas me tuer au PV? Moi, quand je joue à Magic, je mets aucun anti-bête parce que franchement, tuer les bêtes de mon adversaire, c'est vraiment pas drôle, quoi. Moi, j'ai pas envie qu'on me le fasse, donc je fais pas ce que je veux pas qu'on me fasse. Je vais dire une phrase que j'ai trop entendue dans ma vie et que j'adore entendre. Les contres, c'est de l'anti-jeu pour moi. Mais les interactions aussi. Hein. C'est fait exprès. C'est pour dire, toi, tu joues pas ça. Parce que toi, tu veux essayer de gagner avec ça, et moi, je veux essayer que tu ne gagnes pas avec ça. Il va te bourrer, là. Le fion. Ouais. Ouais, mais je suis à 18, je suis tranquille, en vrai. T'es tranquille, ouais. Je suis pas tranquille, en vrai. Regarde, il peut choper de la caille. Ah, t'es tranquille, on est mort le tour d'après, quoi. Je peux buter ça. Avec ça. Ouais, et tour d'après, tu fais analyse dans le tour. Ouais. Vas-y, je prends. Un peu par Attends, je paye 4 PEV, 1, 2, 3... Ouais, ça va. Ouais, ça va. Ça va. Ça va. Hein. Bah, je fais ce que je peux, voilà. Je fais que ce que je peux, moi. Que ce que je peux. Attends, est-ce qu'un 4-4, c'est pas mieux que tu bah, ça? Bah, il bloque pas, je crois, le 4-4. Il bloque le 3-4, c'est ça que tu veux? Ouais. Mais ça se prend anti-bête. Non, vous pourrez tuer juste. Je sais pas, il a des anti-bêtes de tryharder ou pas? Tu penses? Ah ouais, donc vraiment, tu tues toutes mes bêtes, quoi. En fait, il n'y en a pas une qui survit, quoi. Ok. Et t'as des anti-planeswalkers aussi? T'as des anti-terrains aussi? Tu te lèves dans la salle, tu dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour s'amuser ou pas aujourd'hui? J'en prends un, je l'éclate, là. Merde. Il n'y a pas un joueur de meule, là, qui fait rien, un parmelé? Merci. Non, parce que moi, dans mon deck grul, il n'y a pas d'anti-bête. Donc, ceux qui veulent un moment fun, venez me voir. Je serai à la table 12. Monsieur, c'est la table de quelqu'un. Je bouge pas. Je bouge pas. 1, 2, 3, 4, 5. T'es mort ou pas? On n'est pas mort, mais on n'est pas bien. Quoi. On est bon. On a de chances de mourir avec ça, mais... Laiton. J'arrête laiton. Non, du coup, je fais ça. Comme ça, je suis sûr que je suis pas mort. Ouais, je pense que c'est mieux, ouais. T'as le choix de mourir ou d'être peut-être vivant? Non, c'est de peut-être mourir ou d'être survivant. D'être un survivant. D'être un survivant. Ah, j'ai fait un play vraiment nul à mon qualifier de décès. Vraiment pas bien. Ouais, pas très très bien. Ok. Et en fait, j'avais le play du survivant. Une situation. Attends, X égale 3. Ouais. En plus, en draw. J'avais une situation où je pouvais soit jouer safe et très certainement gagner la game. Ouais. Soit j'attaquais avec que des bêtes imbloquables et j'avais un trigger explore. Si je révélais une non-créature, je le tuais. Okay. Si je révélais un land, je le tuais pas. Ok. Et j'en avais marre de réfléchir. Du coup, on est mort là. Du coup, j'ai attaqué avec tout. Tout pas loin. J'ai révélé land. Que j'ai pris en main. Et t'as perdu. Je l'ai pas tué et j'ai gagné la game quand même. Mais c'était de la merde. Et le collègue à côté, il m'a dit ouais, c'était pas bon de faire ça. C'était vraiment un peu de merde. Ouais. Non, non, mais j'arrivais plus à réfléchir. J'avais plus envie. C'était quart de finale. Quand vous savez plus réfléchir, le meilleur play, c'est. J'incline. Parce que c'était sûr, par contre, il était full tap et tout. Et moi, j'avais que des bêtes pro, imbloquables et tout. Donc si j'avais. Le trigger, c'était bon. Il y avait plus de chances que ce soit un non-créature en plus, à ce stade de la game. C'était bon. Et du coup, j'ai quand même eu chaud. Bon, allez, faut aller s'adapter à un tryharder, du coup. Alors déjà, on a mis 15 cartes de side, mais normalement, nous, on side pas. On estime que le main deck doit suffire. Alors, mais fissuration. Bon. 3 barrages d'automantiques. Ils sont là. Ouais. Ça, c'est bien aussi. Hein. Ça casse son bordel. On a déjà fissuration pour ça. Ça ne devrait pas trop, moi. Ah, ça, c'est porté, c'est très bien. Oui, ça, c'est bien. Alors ça, c'est délicieux. Enfin, c'est très bien. Ça, j'enlèverai de ma lampie. Non, j'y garderai plutôt ça. Je pense qu'on a plus de chances d'aller au tour 5 pour le tuer que de jouer justement des vengeances et compagnie. Là, c'est un peu médiocre. Qu'est-ce qu'on veut pas? On peut enlever une tige, je pense. On peut enlever une tige. Ça, c'est moins fort contre lui. Ouais.
Et tu peux enlever Nissa aussi, en vrai, c'est pas brillant non plus, quoi. Mais je pars à 61. Non, 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 surtout pas. ça me trigger. Non, ça, c'est trop fort. Est-ce qu'on peut enlever les vertus? Est-ce qu'elles sont vraiment puissantes, les vertus? Pas l'impression que ça soit délirant, la vertu. Là, tu vois, j'avais plus envie de réfléchir. Oh, Raffine. Non, mais je veux dire, la vertu, elle est bien dans les miroirs de gens qui font des bêtises en mode très rempli chez Miroir de bêtises. Ouais. Miroir de bêtises, mais là, contre lui, c'est loin, quand même. Oh, c'est j'ai le sentiment qu'on va gagner ce BO. Par contre, toujours pareil, Annalise Nissa, c'est... Impossible. C'est impossible. On le fera jamais. Ça n'arrivera pas. On n'a pas de rouge, mais on n'a pas besoin de rouge. Donc on s'en bat le cul. Ouais. Actuellement. Peut-être que notre oppo, il jouera pas des anti-bêtes, tu sais. Ouais. Va peut-être nous laisser nous amuser un peu. Mais du coup, est-ce que juste, en fait, toi, tu veux être désagréable à la table? C'est ça? Que je résume, hein. Pareil, je crois que je fais ça, là, non? Ouais. Oui, tu veux qu'il passe juste un tour, le pauvre. Oh, belle. Non. Bello. Chicho Bello. Ah, nice. Super. Petite montagne. Petite montagne. Petite montagne en vif, là. Je suis même pas sûr qu'on joue analyste, franchement. Si, si, il faut y aller maintenant, là. Gros, il va te cut down, quoi. Il l'a pas. Regarde, okay. Tu fais conf? Ouais, bah non, mais... Regarde. Non, non, je fais pas conf, mais vas-y. Il l'a pas. Ok. J'ai dit. Après, s'il droit à la gorge, ça me va. Oui, oui, ça va, ça va. Okay. Pas grave. Non, non, s'il avait cut down, j'étais pas pour, mais là, ça va. Pas pour, Imamour. Et je pense que ton discours sur le tryhard, ça l'a... Il s'est dit, ouais, c'est vrai. Céline, j'abuse de fou. C'est vrai, j'abuse de fou. Un point. Tu vas attaquer? Ouais. Vas-y. C'est un peu humiliant, je trouve. Tiens. Ça fera un malade moins nécessaire pour ma boule de feu. Ma boule de feu. Putain, il a vraiment raffine domination en avatar. Rip. Ouais, paix à son âme. En même temps, ce... Ouh. Non mais ça, si ça tryharde pas, si ça tryharde pas, ça grémir, là. Sans déconner. En même temps, ce deck de tryharder, là. Bien joué, Cosmen. Allez, résous Nissa, du coup. Une bonne petite Nissa. Zou. Non, franchement, elle est délicieuse, Nissa, ici. Ah, là, c'est nickel. On rigole, hein, on est des tryharders au cas où. Parce qu'il y a des gens, ils vont nous découvrir avec cette vidéo, mais ils n'ont pas le second, le sous-texte. On n'est pas prom d'ugle. On est pas prom d'ugle. On est plutôt team tryhard ici. Moi, je joue plein d'anti-bêtes et de contre. Même dans mon rouge. Ah ben, surtout dans mon rouge. Et là, il se dit, ah ouais, peut-être que contrer ça, c'était... C'est peut-être un peu gourmand. Peut-être, et voilà. Et oui. Ça, oh bah je m'en fous. Que ça tryhard ici. Que ça tryhard. Que ça quoi. Après Gontran maintenant, c'est... Comment il faut qu'on lui trouve un nom au tryharder? Oui. C'est notre nouveau perso, là, le nouvel archétype. Tiens, je casse ça tout de suite moi. Comment il s'appelle? C'est Jean Tryhard, je pense. Allez Jean Tryhard. Allez, que ça. Que ça le type. Que ça des fers marrés. Interagir avec l'adversaire, il nous laisse pas jouer. Super. Belle au beat, comme on dit. Si je le tue, il se passe quoi? Ça compte quand même. Ça compte quand même, mais tu récupères ta Nissa le tour d'après, quoi. Ouais, je vais le tuer, mais je crois que je le tue maintenant, du coup. Oui, il est fou. Je veux pas... Tu prends pas de risque, ici. Ah, t'as vu, ça ciblait pas. Ça me le mettait pas en surbrillance, genre, non, non. Là, tu dis, ouais, non, mais moi, je tue tes bêtes, parce que bon, il y a un moment... Ah, parce que tu m'y obliges. Tu m'y obliges. Bah, moi, je veux pas faire ça. Écoute, tu comprends ce que je te dis? Moi, je veux pas faire ce que tu fais. Mais si je veux qu'il y ait un match, qu'on se réponde... Moi je suis team. En plus, c'est pas combatif pour un sou. Moi je suis team 94. Tu sais, nous on met Fireball dans la tête, tu vois. On est des vrais, on est des Magic à l'ancienne, nous, tu vois. Ouais. Bon, elle est parfaite la DL. Ouais. En vrai, Nissa c'est vachement bien contre lui. Parce que du coup, il fait Tidebender quand tu veux récupérer tes manas. Et ensuite, quand c'est à toi, bah, tu résous un drop 5. Tu l'éclates, quoi. Tu l'éclates, quoi. On aurait peut-être dû en rentrer une. On en a encore 3. Oui, je crois. Oui, on en a 3. Ouais. Mais on va les piocher. Putain, c'est Cockman, quoi. Cockman. Allez. Les hommes coquets ou les hommes cocaïnomanes? Je pense que coquet, ça doit représenter un truc en japonais. Les hommes coca. Ah bah, c'est parfait, ça. Nickel. La main, c'est une. On va la garder, mais elle est... La main est folle. Un peu comme ça. Chauve-souris, quoi. J'explose. Tu prends aussi les cartes de ma main? Mais tu me laisses jamais faire ce que je veux, bon sang. Mais il va te faire chauve-souris, tu vas exploser là. J'explose plus. J'ai le bloqueur à chauve-souris. Là, je bloque tout son deck avec ma 3-4 portée. Quoi que s'il fait chauve-souris, tu lui fais rage au tour 3. Ouais. Du coup, tu vas analyste, quoi.
Ouais. Ça fait chier. Ouais, mais... ah, ouais carrément, ouais. Je pense, ouais. Putain, jamais de Land. Hein. Je ne fais pas exprès. Bah, je sais que tu fais pas exprès, mais... En plus, j'ai pas eu de Land Tourin, là, donc... Si je me plains pas au jeu, je me plains à toi, c'est toi qui as la souris, donc... si je me plains pas au jeu, je me plains en amour. Et ça n'a rien à voir. J'ai pas le choix. Ok. Ok. C'est pas un peu mollasse. Bon, j'y fous ça, là. Oui, je crois que tu fous ça, ouais. À quoi que, du coup, je pourrais pas la sacrifier ton prochain. Est-ce qu'on s'en fout pas? Pourquoi tu pourras pas la sacrifier? Bah, je pourrais, mais je réanime 40. Ah, tu réanimes de la merde, ouais. Ah, non, alors je que... Zania, quand même. Je la passe maintenant. Il s'y attend pas, il va être deg. Vas-y, vas-y, passe-la maintenant. Regarde, regarde comme il est deg. Attends, mais elle meule pas un peu, elle? C'est quoi son effet, en fait? À part d'être portée. Si t'as 4 terrains, tu peux la fusionner, et quand un terrain est mis dans le cimetière de n'importe où, tu gagnes 2 PV. Ah ouais, on va gagner plein de PV avec elle, c'est cool. Putain, t'imagines si on avait eu ça contre mon Lored tout à l'heure? Délirant. On gagnait 3 PV à chaque land. Ouais. Bah, et on bloquait ces 3-3, là. Mais non, non, nous, apparemment, on n'a pas le droit au bonheur, non. Ah, je sais ce qu'il veut faire. Ah ouais, mais moi, je prends, hein. Ouais, ça marche pas, en plus. Mais ça marche pas. Et que ça tryhard. Hein. Et que ça tryhard. Je bloque. Hein. Je ne bloque pas. Non, non, non. Surtout pas. Voilà, c'est un peu nul de réanimer Carland. Non, non, je pense que tu le fais pas. Là. Tu juste vas chercher... chercher bonheur. Ouais, va chercher bonheur, ouais, mana rouge, et puis tranquille, quoi. Déjà, tu t'achètes un peu de temps. Ah, tu peux pas prendre mana rouge, tant pis. Bon, après, c'est pas grave. Et tu restes fissuration up en attaque. Quand avec ta 1-3, même s'il fait Mastermind, il peut pas te bloquer favorablement, donc tout allait bien. Ouais, surtout, je le bute. Il fait Mastermind. Bah, je crois que tu veux quand même tuer. Zou. Je le laisse choisir. Bah, il va m'enlever ça en fait. Je sais pas. Hein. S'il me le laisse, c'est de la merde de toute façon. Ouais. Alors, je crois que je dois faire ça. Ok, tu lui imposes le choix. Ouais. Vas-y, impose-lui. Je casse. Et il fait contre, il nous prend ça. Bah ouais, mais tu détapes. C'est pas grave. Tu réanimes combien de land là? 2. Oh, putain, belle Spell Pierce. Spell Pierce. Il a gardé Spell Pierce contre un deck qui joue 29 landes. Oui. Et bah bien joué. Mais ça me fait chier. Je le dis. Bah t'as vu, elle s'est mise à gauche pour prendre un coup. Oh putain, c'était la pire carte à piocher, quoi. C'est pire que forêt. Sans déconner. Écoute, tu pourras ramper de Land dès qu'il décidera de tuer ta 1-3. Ouais. Ah, tu mets pas un petit point? Oh ouais. T'aurais ouais, pu, j'étais hein. Plus là. T'es boule de feu, boule de feu. Le petit point, je... Putain, il est relou, lui. Hein. C'est là que vous êtes lourd, là. Ils sont bien, ces decks d'Ymir. Moi, ils me plaisent bien. Mm. Ils me plaisent beaucoup. Non. Ah, si. Ah bah on s'en fout. Bah il le sait pas mais... Il le sait pas mais on s'en fout. Ouais mais là dans le tour c'est chiant. Ouais dans le tour il va piocher deux. Ouais. Icrou petit patacrou. Ah. Oups. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'une seule des deux bêtes. Il a crou avec les deux? Ouais. Pourquoi il a crou avec les deux? Attends il est bourré ou... Qu'est-ce qu'il fait? Il pensait explorer sur les deux? Oh le Airtail. Ah ça c'est méchant Airtail par contre. Le goût des choses simples, hein, mais... Ouais, vas-y, rampe de deux. Zou. Prière. 3 PV. Est-ce que tu peux piocher une carte active puissante? Ah, le problème d'avoir beaucoup de landes, hein, c'est que c'est dur de faire ça. Hein. Voilà, t'en as quand même pas mal vu des landes, quoi. Ouais, un de plus. Génial, génial, génial. Je trie, hein. Vas-y, vas-y, tri, tri. Tri, tri. Tiens, il est trop bien ce deck, on va faire 0-2 dans la vidéo. Ça va me fumer. Je vais partir en fumée, gros, si jamais c'est ça qui se passe. Là, je mets 3 points, je rejoue Titania. Non. Non, non, non. Tu vas pas faire ça. Voilà. Je pars ailleurs, là. Je m'extrais de cette vidéo. On a résolu combien de cartes dans cette game? Genre un drop 2, un drop 3, c'est tout? Ouais, c'est ça, je crois. Et un fissuré. Et un fissuré, ouais. D'accord. Ouais. Ok. Belle, belle, belle. Comme le jour. Comme l'amour. Bah là c'est fini de toute façon, il a air tie up, il va plus jamais rien se passer. Ouais. Ça manque de trucs incontrables. Bah c'est vrai que Ténur a toujours la possibilité d'itérations zingantes quoi, mais... Oh. Nul. Et en vrai, tu vas tuer la sirène quoi. Bah ouais.
Fais-tu mieux? Non, tu fais pas mieux. Je disais justement, ça manquait de trucs incontrables. C'est vrai. Incroyable. T'aurais peut-être pas dû l'appeler, en fait. Si t'avais réfléchi, tu aurais pas dit. En fait, ça manque pas. Ça manque pas du tout de trucs incontrables. Putain, ça manque d'un gros kill qui mettrait 17 dans sa tête, là. Ouais. Quand il est bien full tap. Ah. Ah oui, d'accord, il est... Il s'en bat le cul. Ouais, ouais, il y va un peu à la dure, comme on dit. Ça, c'est bien, ça. Et ça, c'est... C'est un sketch. Es un sketch, comment dire en espagnol. Alors toi, ton deck que je résume, c'est quoi? C'est anti-bet, contrer et prendre les cartes de la main, c'est ça? Donc même quand tu me fais piocher une carte, tu me l'enlèves, en fait. Ah, excuse-moi, ouais, je veux pas paraître désagréable. Hein. Je peux y aller ou j'y vais pas? Je sais pas, bien, il prend un peu de plaisir, ça me fait plaisir pour lui. Bah non. Non, oui, tu peux y aller, oui. Attends, je juste ma draw. On peut piocher une grosse brasse. Très très grosse ah, brasse. Ah oui, ouais. Down the house. Oh, on serait bien, là. Ah oui. Bon, on serait bien. On serait, quoi. On crève la main serait... pleine, quoi. Ah, je pense, avec tout ce qu'il pioche, il a rien, hein, mon avis. Mec, il te donne vraiment tout sur Bird Down. Allez, pitié. T'as encore une chance. Ah, pitié, le jeu. Please. Oh, le spell pierce qu'il a, là. C'est pas grave. Mais non, le jeu. Non, mais moi, je mets des cartes dans le deck pour les piocher. Si je les pioche pas, je les mets pas dans le deck. Ah, on était à ça de faire une dinguerie. Quelle merde. Oh bah oui. Mais chie-nous dessus. Je me chie dessus. Les gars, je me chie dessus. Eh ben, bien joué. Voilà, le tryhard, ça paie. Voilà, évidemment. Super. Que pour la win, quoi. Tout ça pour la win, putain. Est-ce qu'il y a encore des mecs qui aiment Magic ici, quoi? S'il vous plaît, quoi. J'adore. Une bonne boule de feu, Chanel Fireball, moi de mon temps, il y avait que ça, quoi. Et on jouait pas des contresorts, les poulets. Hein. Ben ouais. J'ai une vision, Val. Visionne. J'ai une vision d'un commentaire. Ok. D'un commentaire futur. Futur, présent et passé. Ok. Vous êtes perdu, vous n'avez pas gagné un gars, vous êtes nul. À mon avis, ça veut dire que vous soyez nul. J'ai une vision de ce commentaire. Non, en plus, il n'y a pas ces commentaires, ou très peu. Il y a quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, qui a dit, d'une façon un peu presque poétique, en mode, c'est oui, vrai. Alors, c'est vrai que vous perdez des games, alors que voilà, vous jouez dans un ladder bon, qui n'est pas ouf, avec pourtant de bons decks, hein, mais du coup, si ce n'est pas le ladder le problème et que ce n'est pas les decks, bah, voilà, à bon entendeur, vous comprendrez d'où est le problème. Clin d'œil, trois petits points. J'ai mis un cœur, je l'ai pinglé, ce commentaire. Il me régale, moi. Ouais. Il m'a juste régalé, moi. Tu lui donnes trop de visibilité, je pense. J'adore. À ce monsieur. J'ai pas dit qui c'est. Putain, ce grul. Je sais même pas qui c'est. Moi. Ce grul honnête qui, tu vois, il a été malhonnête finalement. Ah ouais. Moi, je pensais qu'on allait éclater 2-3 types. Et les mecs étaient prêts. Hein. Par contre, genre premier degré, je pense que ce deck, il faut jamais sider. C'est pas bon. Tu trouves pas ton side. Il faut pas sider. Mais non, mais ce qu'on pioche, c'est pas bon. Ce qu'on pioche, c'est. Ouais, en fait. Genre à limite, ça, tu peux l'enlever. Est-ce qu'on n'a pas gagné toutes les games 1 et perdu toutes les games 2? On a gagné une game 1 là, contre Dimir? Ouais, on a perdu 2-1 à chaque fois. On a gagné comment? Non, je te jure, on a gagné la première game. Bon, juste, on a fait. Je fais plein de trucs et. Ah ouais? Ah ouais. Avec Nissa? Avec Nissa. Avec Nissa. Exactement, ah avec Nissa, on a gagné la game 1. Bah super. Ah non, c'est à la 2 qu'on a gagné. On a gagné la game 2. Ah, on a gagné la game 1. Mais il a vite concédé la 2. Et... Il était pas combatif. Ah oui, c'est ça. Et on a gagné la game. En même temps, il savait qu'il repartait sur le play avec son armée de contresort. Ouais, il s'est dit, de toute façon, je gagne la 3. Excuse-moi, je m'emmerde. Jean Tryhard. Et on a gagné la 1 contre Monorail. Titre de la miniature, certainement. Jean Tryhard. Fin de cette vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpel Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.